Coucou mes petites biches, comment ça va? Aujourd'hui nous sommes vendredi 13 janvier et c'est un bon jour parce que à mon bras pend mon nouvel ordinateur! Oui! Et je suis le cliché de l'américaine bien sûr avec mon Starbucks et le Mac en dessous de mon bras. Vraiment alors là, pur cliché. Ah, je suis tellement contente. Vous savez combien ça a été difficile d'avoir cet ordinateur. Je ne sais plus si je l'ai dit dans un vlog au final, mais en fait, on a dû demander à notre ami Joe, qui est américain, qui vit ici à New York, vous savez bien, c'est celui chez qui on a vécu, de l'acheter pour nous. Et en fait, le truc, c'est qu'on était obligé de passer par le site internet, étant donné qu'il fallait une configuration spéciale et un clavier AZERTY. Et avec son compte, sa carte bancaire et tout ça, ça a marché. On n'a jamais su pourquoi ça n'avait pas marché avec notre compte. Mais enfin, l'important, c'est qu'il est là. Je l'ai. Et donc, on va ouvrir ça ensemble. Je suis trop contente. On y va. Avant toute chose, on va éloigner les liquides. Je me connais, n'est-ce pas? Je pense que là, c'est à une distance raisonnable. Mes biches, aujourd'hui c'est un bad hair day. Je ne quitte pas le petit bonnet gris, tout simplement parce que c'est le troisième jour que j'ai mon brushing et que comme j'ai fait mon yoga ce matin, j'ai tenu ma mèche en arrière jusqu'à 14h et concrètement on dirait Marie à tout prix. Vous voyez Cameron Diaz, la mèche en l'air comme ça, voilà, ma mèche ne redescend pas. Et sachant que je vais laver mes cheveux ce soir ou demain, je me suis dit que j'allais pas m'embêter, surtout que je vais sortir, tout le tralala. Vous savez bien, quand on sort, il y a du vent. Moi, je trouve que j'ai vraiment une drôle de tête avec mes cheveux lissés et le bonnet qui fait comme ça. Mais donc voilà, comme ça vous savez. On va essayer de configurer le Mac. Mais alors, moi j'y connais rien du tout. De chez rien du tout. Donc j'espère que ça va aller. Bon. Je vais continuer à configurer l'ordinateur et quand j'ai réussi à remettre le clavier en AZERTY et que j'ai terminé avec ça, je reviens. Le son est plutôt pas mal, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on va pas se refaire le vlog. J'ai vraiment une drôle de tête aujourd'hui, hein, les gars, je sais, avec le bonnet qui est mis comme ça et mes cheveux tout plat, ça fait un petit peu bizarre, mais tant pis. Tant pis, je ne vous montrerai pas la mèche en l'air. Non, 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 je refuse. Je ne vais pas la faire très longue de toute façon. Ce sera un tout petit vlog. Mais je voulais simplement vous dire que maintenant que j'ai mon ordinateur à moi, mon petit portable, je suis tellement contente de l'avoir, je vais pouvoir faire un live parce que ça fait déjà un petit temps que j'en ai parlé et apparemment ça avait l'air de vous plaire comme idée. Maintenant, est-ce que ça vous dit un live en mode FAQ? Parce que faire un live où je vais parler dans le vent, bon, je sais, les vlogs, concrètement, c'est ça, c'est parler tout seul. Mais là, si vous êtes présent pendant le live et que vous pouvez interagir directement avec moi, est-ce que ça vous dirait pas qu'on choisisse un sujet? Faites-moi vos propositions, je verrai ce que vous me dites en commentaire. Ensuite, j'essaierai de choisir une date et j'essaierai de choisir une heure qui va convenir au plus grand nombre. Ce sera certainement au soir pour vous, je pense que c'est quand même le mieux. Éventuellement jeudi soir, pourquoi pas, comme ça me laisse un petit peu de temps. Si vous voulez qu'on fasse une FAQ, ce qui pourrait être vraiment sympa, ben vous pouvez déjà préparer vos questions, pas spécialement me les poser ici, étant donné que c'est le principe du live, hein, c'est qu'on se parle en direct. Mais enfin, si j'en ai déjà sous cette vidéo, ça me permettra de combler le blanc, parce que c'est vrai que quand on commence un live, on est toujours un petit peu tout seul, hein. À chaque youtubeuse, youtubeur qui le fait... On le voit, hein. Au début ça rame un peu. Du coup c'est tout pour aujourd'hui, je vais continuer à découvrir mon nouvel outil. Je vais déjà transférer ces images sur l'ordinateur pour essayer Final Cut Pro parce que oui, le jour est venu enfin. Ça fait depuis le début de ma chaîne que je dis le jour où j'aurai un autre logiciel de montage que Movie Maker. Les biches, ce jour est arrivé. Bénissons le ciel. Après toutes ces péripéties, ça y est. Bon, maintenant, vous allez m'attendre au tournant. Ça veut dire plus de rapidité, plus de vidéos, un meilleur contenu, de meilleurs montages. Ouh, j'ai la pression en fait. J'espère que ce vlog vous aura plu et j'espère que les vidéos à venir vous plairont aussi. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.